Voilà, on est de retour avec une vague de chaleur qui se termine. Opportunité de célébration, d'accord. Alors attends, on va t'enlever. Voilà, non restreint. Planning. Ok, travail. Ok. Du coup, on va pouvoir lui demander d'aller dépecer des trucs en boucle. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il nous prend la bouffe. Hein. Ok. Ça marche. Hein. Tu prendras ça aussi du coup. Et puis là, il y a pas mal de champignons. Caravane marchande arrive. On va arrêter de lui demander des trucs, faudrait qu'il les transporte maintenant, ce serait pas mal. On va le mettre en transporteur 2. Et du coup, ça, on peut l'arrêter pour l'instant. Ce serait bien qu'ils nous finissent le truc, qu'on mette Triss là-dedans. Quoique. Ah ouais, agriculture 12. Il y a encore 30 jours à galérer. C'est bien, il se met à ranger. Des petits plats de bouffe. C'est ça alors? Aliments, aliments crus. Voilà. C'est pour ça qu'il rangeait pas, parce qu'il n'y avait pas de place, il n'avait pas compris que le panier il pouvait mettre des trucs dedans. Parfait. On a un nouveau groupe de voyageurs qui arrive.
toutes les armes là-dedans. Et pourquoi pas les vêtements aussi. Et les objets, vas-y, mets tout. Mets tout, c'est pas grave. Quête disponible, déchargement de déchets, non merci, barrez-vous. Qu'est-ce qu'il fait là? Il rassemble les champis pour les mettre dans le panier. Genre avec tout ça, tu peux pas faire à manger? Si, quand même. Est-ce qu'on pourrait lui demander d'autres d'ailleurs? Faire des jus de fruits, pourquoi pas? Pas les ranger. Du coup, il va en faire à l'infini. Bon, jusque là ça se passe plutôt bien. On va continuer de creuser ici pour mettre cette chambre à côté et puis creuser davantage par là pour faire notre centre de recherche slash génétique. Notre laboratoire. Hein. Escar, quand t'auras fini de glander. Faudrait qu'on le fasse assez vite ça aussi, vu que ça prend 8 jours. Faire le piège, mais bon.
on a plus de bois. Quoique non, on va pas. On va pas faire ça. Ce qu'on fera, c'est qu'on déplacera le l'armoire. Bon, niveau nourriture, on devrait être bien. Les visiteurs, ce ne sont pas si ce sont des invités. Charmé, bienvenue. Voilà, lâche-nous 20 balles. Pour l'instant, profitez-en, c'est pas trop cher. Tris, il va ouvrir les yeux, il va voir. Alors, grenouille en face de lui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée? Il faudrait du bois quand même. Canite sensorielle pour Tris. On va le soigner, mais de toute façon, ça changera pas grand-chose à son état, quoi. Je sais pas ce qui les intéresse tant dans le stockage. Capsule de sauvetage. Alors, attendez. Hop. Se rendre sur les lieux. Pourquoi pas, vas-y. Secours donc ce pauvre. Prioriser soigne en urgence. Caravane qui arrive. Hein. Tout. Un petit nettoyage. Petite discussion avec le hipster qui traîne devant chez nous là. Alors nous avons des oies. Ok. Pourquoi pas. Les œufs, ça pourrait être intéressant. On prend l'œuf. Mais il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, il y a assez peu de chances que... Salut à toi, Carmos. Bienvenue sur le live. Toujours avec des mods et des DLC. Oui, tout. On est sur le serveur multi, là. Et il y a des mods, il y a des DLC. Il y a tous les DLC, même. Enfin, les trois. Et si tu veux venir jouer avec nous, bah n'hésite pas. Tu vois, il y a pas mal de monde qui s'est installé par là-bas. Je commence à coloniser un autre coin de la planète. En revanche, voilà, les DLC, les mods ne sont pas obligatoires pour jouer sur le serveur. Tu peux tout à fait venir avec juste le jeu Vanilla, sans problème. Dascar nous range plein de trucs. Ouais, rentrez pas avec vos animaux dans la maison là, quand même. Je vais juste jeter, y a pas de problème. Aucune obligation. Oh, ça c'est
Un scorpion. Vengeance de Pulmonoscorpion. Scorpius. Et ça, ça va se découper assez vite. Tiens. Je pensais qu'il y aurait plus de dommages collatéraux quand même là-dedans. À tirer au pistolet mitrailleur au milieu de toutes ces bestioles. Entre lui, on va venir. Ah bah non, on lui a déjà parlé. Pauvre grenouille, on lui laisse bouffer juste du pemmican en venant ici. Alors, machin se joint. Bah pourquoi pas. Pour vous remercier de l'avoir sauvé. Écoute, machin. Déjà, on va faire ça. Tu veux pas. Tu veux pas. Tu feras jamais médecin. D'accord. Écoute, fais ta vie alors. Voilà, merci pour ton soutien. Bienvenue du coup sur la chaîne. Remjai. Donc n'hésite pas, hein, si tu veux venir jouer sur le serveur, faut passer par le Discord. Et appeler un Rimhelper pour qu'on vous file les infos de connexion. Du coup, puisqu'on est deux, on va demander aux gens de venir découper un peu de bouffe là dehors. Même si pour l'instant on n'a pas trop besoin. L'invité s'occupe des autres, tant mieux. Caravane marchande s'en va. Ah mais si, quand même. Je me disais bien, c'est pas possible de tirer comme ça dans le tas à l'aveugle et pas avoir une oie à bouffer. Les indigènes de la faction H1 s'en vont, ils ont laissé un cadeau, 67 balles. Ok. Bon, Daskar, il est reparti. Bah tiens, du coup, MJ, tu vas récupérer celui-là, mais pour l'instant, il va pas très bien. Bon, et Tris, lui, il y en a pour 1 million d'années à peu près, 25 jours encore. Tu veux pas les découper ça vraiment? Récolte échouée. Il va revenir quand il aura faim. Ou pas. Qu'est-ce que tu fais là? Oui. Tu fais ça, tout va très bien. Non mais attends, vas-y, attends. Tant que t'es là.
Voilà, on va pas se faire 40 allers-retours juste pour ça. Et puis les 6 baies qui traînent, ce sera pour le rhinocéros. Rimjal, maîtresse des ragouts, est totalement guérie. Ça, c'est un titre. Maîtresse des ragouts. Est-ce que ça veut dire que tu cuisines, du coup? Oui, à fond. Tiens, hop. Qui est disponible? Météo, machin. Gna gna gna. Un brouillard pluvieux pendant 13 jours, bah si tu veux, de toute façon on en est déjà là. Bouclier, une harpe, un clavecin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si on veut gagner le titre de noblesse, il nous faudra une harpe. Au bout d'un moment, probablement. Capsule de transport, ok, sont arrivées. Tiens, ça on va la réinstaller là. Et le clavecin, on peut le réinstaller. Ah oui, clavecin quoi. Le clavecin, on est obligé de l'installer là. On va le mettre dans la cuisine. Feralisque. Gna gna gna. Ouais, il est juste entré sur le. Ça va, ils vont se battre entre eux. Il y a des bestioles agressives. Non, laisse tomber. Laisse tomber ça. Qu'est-ce qu'il fait là du coup? On laisse tomber ça aussi. Tout ce qui est près de l'araignée, là tu laisses. Il va juste chercher la bouffe. Voilà, on va les laisser se bastonner avec les créatures diverses et variées qui traînent dans les parages. Et nous on va en rester loin. À l'abri. Qu'est-ce que c'est? Un pack de boucliers, ok. Très bien. Ils vont te ramener. Peut-être que maintenant on va pouvoir enfin s'occuper de ce mur là. Non, pas encore. Ok. Ramja, il voudrait un lit. Tu t'es équipé de quelque chose? Pas du tout. Tu pourrais récupérer le couteau en métal peut-être? Faudrait un truc juste pour les jus de fruits. Vous savez, ils veulent pas les prendre. Viande d'insecte à pourri. Ban de Wisebot là, il y a des bots qui tentent de faire une percée dans le chat. Si jamais il y a une erreur Wisebot, ça peut arriver. N'hésitez pas à aller le dire sur la chaîne YouTube par exemple. On est en live en même temps de l'autre côté. Et à ce moment-là, j'enlèverai le ban. Je suis en train de me demander. Ça se bat de ouf là. C'est où? C'était par là. C'était en dessous. Ah, il y a un stagiaire qui a été assassiné là. Et toi, tu te bats avec personne? Qu'est-ce qui se passe? T'es où? C'était où? On ne sait pas.
Ah, si, c'était là. Grosse bestiole bien agressive. C'est relevé hein, pour aller défoncer l'autre truc.
J'étais en train de pester contre Daskar qui rend ouf à dormir tout le temps. Heureusement, Renjai qui bosse en attendant. Il va bouffer, il va faire un truc et après il va aller dormir. Et on voudrait que tu fasses ça, s'il te plaît. Quête disponible. Machin, chef anima de la Ligue des Crêtes, cherche un endroit sûr pour s'occuper de son animal. L'émeu Ralph pour 8 jours. Pour de l'hyperfibre. Ou machin rejoint votre colonie. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc. Mobilier, c'est là. On va le mettre dans le couloir. Voilà. Hop. Se rendre sur les lieux. Ah mais c'est lui. Tiens. Animo Ralph. C'est parce que t'as aucune zone. Ralph, il lui faut un enclos. Structure enclos en bois. Je me dis ça va peut-être déranger les éoliennes. Ok, là vous voulez pas reconnecter la clôture à la porte. Il va falloir vous dépêcher quand même. Construction. Il joue un peu de harpe. C'est Renjai qui fait tout. Hein. Daskar est parti faire un peu de recherche vite fait, manger, jouer de l'harpe et il dort. Presque fini l'enclos. Maintenant, faut aller chercher la bestiole, s'il vous plaît, avant qu'elle se fasse bouffer par tout et n'importe quoi. Aucun enclos. Ah oui, alors attendez, parce qu'il manque. Il manque le truc. Vas-y, s'il te plaît, dépêche-toi.
Donc maintenant, aller chercher la bestiole. Il est là. Lyra, qui es-tu? Ah, tu viens de la caravane. Elle commerçait avec ces gens. Woolico, Woolibull, pourquoi pas, mais ça coûte plutôt cher. On va leur acheter du lait. On va vendre le cuir. Cuir de lézard. Ok, 160 balles. Ce qui est peu. C'est peu, bien. Est-ce qu'on prend la vache quand même? Non. Parce qu'après, je sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir avec des... avec des taureaux. Ça se passe là, la nourriture par terre. 9 rations. Écoute, je travaille trop, donc je dors. Écoute, oui. La notion de travailler trop est relative. Il faudrait vraiment qu'on finisse ça. Il en est où là? Construction 5. Il est encore très loin. Bon. On va couper ça, couper ça. Ça. Et ça. Ça également. Voilà, un petit peu de harpe pour Renjai. Caravane s'en va. Parce que là, on a tout le métal qu'il nous faut pour ça, mais tous les ingrédients sont là. Simplement, on ne sait pas fabriquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est miner les trucs et demander à Daskar d'aplanir tout ça. Et Renjai, tu vas pas faire de construction. Là, on est en vitesse 4. Hein. Ça mine lentement. Vendeur de produits exotiques. Dans tous les cas, on manque pas de nourriture. Ils nous ont laissé de la thune là par terre. 170 balles les gars. Tiens Daskar, tu vas aller communiquer avec cette personne. On pourrait vendre Ralph pour 120 balles. Ration, composants, médicaments avancés, jus de fruits, on va les vendre. Et le bois de fer, on va le vendre aussi. Ça nous fait 100 balles. En revanche, ils ont pas grand chose à part des composants, peut-être quand même. Ah oui, mais c'est cher. Hein.
va faire ça, on récupère deux composants. Et un peu d'argent. Pardon, je te parlais en mute, je te disais oui, c'est le mode hospitality, faudrait qu'on leur fasse une vraie chambre ici. Mais ils galèrent à creuser. Bon, il augmente un peu sa construction, mais on est loin du niveau 6. Hein. 1800 sur 6000. Hein. On va lui demander d'aplanir tout ça. Ça va l'occuper un bon moment. Normalement, ça devrait faire son petit effet. Sur sa compétence de travail. Construction. Alors, ça progresse. Ça va être juste avant les 2000. Ils nous ont laissé des médicaments avancés. On va les récupérer tout de suite avant que ça ne se dégrade. Combien, 2400? Donc l'autre il se dépêche à creuser parce qu'il n'y a plus rien à aplanir après. Petite porte en bois, on déplacera les lits là-bas. On mettra également une lampe. On a des composants, oui. Une lampe ici.
quête est disponible. La prêtrice prise en embuscade. Vous vous assurez sa sécurité, gna gna. Ok. Elle est suivie par un renard roux. On va accepter avec Daskar. Donc, alors attendez, elle passe par où là? Parce que... il y a des champignons toxiques là sur le trajet. Non? Non, ça va. Pas de problème. Renard roux arrive. Daskar. RNJ, éventuellement, tu peux te mettre là. Passe en vitesse 4. Le renard doit pas être trop loin parce qu'il court vite normalement en plus. Non ? Où est-ce qu'il est ? Où est-il ? Il s'est fait intercepter par quelque chose ? Il est possible qu'il ait été intercepté par les champis toxiques. Ou les araignées. Une bestiole là, regardez les araignées là. Verquin. Je sais pas où il est votre renard. Ah si, il est là. C'est lui non? C'est ça qui te chassait? Navette est arrivée. Très bien. Hop. Et puis vous pouvez repartir faire votre vie du coup. Daskar va gagner son premier titre de noblesse. Cérémonie de promotion, oui. Voilà, Daskar, tu veux bien faire un peu de nettoyage, s'il te plaît, quand même. Bon, parti faire de la recherche ensuite. Voilà, titre de noblesse pour Daskar, donc. Est-ce que ça se passe bien? Parce que l'endroit est dégueulasse, l'endroit est tout petit, pas décoré. Alors, terrible. La qualité de la cérémonie était de 15%. Ok. Mais Daskar a aussi le titre de mandataire de la part de Dominion de Dieu. Daskar a gagné son premier niveau de lien psychique. Ok. Et il a reçu le titre de propriétaire foncier. Bon, c'est un début de carrière dans la noblesse pour Daskar. Au bas de l'échelle. Non, c'est pas à toi de faire ça. Constructeur, t'es en... Pourquoi tu fais ça? Tiens, mineur en 1. Parce que si c'est pas Daskar qui le fait, on n'aura jamais le niveau 6. Déjà que ça va être long. Combien de jours encore lui? 17. Bon, c'était 30 jours au départ. Ça fait déjà 13 jours qu'on le nourrit comme ça. Et cette recherche qui n'avance pas.
capsule de cargo. On nous envoie des trucs. Pardon, petit problème de caméra. On va le régler très vite. Voilà. Il va vraiment très très lentement parce que là on est en vitesse 4. Le minage, c'est pas son truc. Minage 0. Il est inapte et il peut pas évoluer visiblement. Appel de guerre des animaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est à 5000, hop, il retombe à 0. Niveau négatif ajusté à 0. Gène minage médiocre moins 8. Ça veut dire qu'il est à moins 8 là. J'ai pas vu s'il était à moins 9 juste avant de passer son niveau. Oui, les gars, non? Ça vous dit pas de... d'éteindre les incendies? C'est pas votre truc. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu es un invité. Un invité offensé. Terrible. Ok, on va pouvoir aplanir ça. Puis à un moment, il va construire ça. Quel moment, je ne sais pas. Clavecin a explosé. Lui, il va jamais revenir chez nous. C'est pas possible. Si pourtant. Ok, on a fait la moitié. Peut-être que le temps qu'ils finissent d'aplanir tout ça, et probablement la fin du mur là, voire par là,
On va quand même y arriver à avoir ces 6000 points. Charmé, mais l'endroit est dégueulasse. On a bientôt fini les recherches, ça va nous libérer d'Ascar un petit peu. Hein. On va enfin pouvoir poser des batteries. On n'a pas de bois disponible. Hein. On va aller couper quelques arbres de la jungle. Hop, hop. Voilà. Coupe donc ça. Bon bah ça du coup on va pouvoir le réinstaller là. Construire une copie ici. On n'a toujours pas de table si on a une table. Vendeur de produits exotiques. Les recherches sont pas finies. Il manque pas grand chose. Oui, j'ai une chambre à part, nice. Elle est là depuis un moment. Les autres étaient pas censés être là en fait. C'est vraiment des concours de circonstances qui font que on récupère des colons, mais dans l'idée, t'étais censé juste te cloner toi-même. Il se trouve qu'on en a sauvé un qui a voulu rejoindre la colonie, pourquoi pas. Et puis le deuxième, pourquoi pas aussi. Mais il était mal en point. Je pensais au départ qu'on allait juste extraire des gènes de celui-là. Mais vu le temps qu'ils prennent à construire le truc, il va peut-être rejoindre la colonie avant qu'on ait fini de construire le truc. Ok, lui il rentre avec ses lamas dans la maison, pas de problème. Ralph, non, le garde. Taureau. Ouais, on a pas grand chose à leur vendre. Et là il y a des packs de gènes. Guérison lente. Une petite capsule contenant un ensemble d'informations génétiques pour utiliser un pack de gènes. Il doit être placé dans une banque de gènes, ok. Cicatrisation lente. Est-ce que c'est genre... Est-ce que c'est genre... Efficacité métabolique totale, rien. Une efficacité élevée signifie que... Est-ce que ça veut dire qu'on se régène petit à petit alors que d'habitude on le fait pas, ou est-ce que c'est... Ouais, écoutez, je sais pas. Je sais pas, de toute façon on n'a pas de quoi stocker ce truc là pour l'instant. Ni même l'installer. Alors on repasse en vitesse 4. Qui est disponible? Bénédiction royale. Pour ça il nous faut un colon avec un titre de comtesse. Nous n'avons pas. Ou de comte. Qu'est-ce qui se passe? Daskar se bat avec notre invité. Pourquoi pas. Là, on va aplanir tout ça, donc. Aplanir ça. Et là-dessus, eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser pour ce soir. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. Et puis ce live, pour ceux qui sont passés, merci Daskar pour le resub. Et on se retrouve demain. Pour la suite de nos aventures. Alors ce sera, il y aura peut-être du Solastar aussi demain, on verra. Solastar, Rimworld, l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive. Encore une fois, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et puis on se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.